Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Elle est partie là. Pas trop doux comme ce que j'ai. Ouais, c'est ça, mais en tout cas. Anyway, les pâtés de France sont les meilleurs. Mes impactés, mes abonnés, mes personnes. Moi, je suis là pour vous dire quelque chose. Bon, on va en dire non. C'est affaire de chercher Jean là. C'est ça qui fait que souvent d'autres femmes restent seules. Ou bien un homme qui est là, il cherche un genre. Ou bien telle personne n'est pas de ton genre. Tel garçon n'est pas de ton genre. Moi, je suis là pour vous dire. Chacun doit prendre l'homme qui est de son genre. Une femme, là, quand tu entends un chèque garçon pour te marier, là, faut prendre le garçon qui est ton genre, qui correspond à tes valeurs. Hein? Moi, je ne suis pas à faire des critères. Parce que faites la différence entre les valeurs et les critères. Quand on entend parler des critères, là, moi, je veux un genre jeune premier. Un bon chic, bon genre. Garçon qui porte ses bagots. Garçon qui a les pectoraux. Une femme qui a les seins. Une femme qui a les fesses. Là, tu es en train de partir sur des critères. On n'est pas pour ça. On est là pour des valeurs. Moi, je veux un homme qui respecte la femme. Un homme qui ne lève pas la main. Oui, un homme, c'est dans tous les cas, chacun a son caractère. Il y a d'autres qui sont plus fougueux. D'autres qui sont plus nerveux. Mais qui arrivent à maîtriser ses colères, tout et tout. On va aller sur ce genre de valeur là. Mais non, c'est pas ça. On veut pas que non, on est là, on dit aux femmes non, arrête de dire que telle n'est pas de ton genre. Hein, y a des femmes là, elles sont avec des hommes, quand tu les vois, tu sais que ce monsieur là, ça dit que sa place n'est pas derrière toi. Ou bien cet homme là, cette femme là, quand tu es derrière, tu sais que ça dit on vous regarde, c'est le jour et la nuit. Comment vous voulez qu'on appelle ça? Comment vous voulez qu'on appelle ça? Il a dit que chacun a sa catégorie. Oui, il y a certaines catégories de femmes là. Elles sont jolies, elles ont du charisme, tout et tout. Mais c'est des nyamselets qui viennent s'arrêter devant elles. Il y a des femmes comme ça. Tu la regardes, tu te dis, mais quelle bouche met ce monsieur là? Ou bien ce prin-prin là a pris pour venir s'arrêter devant elles. Donc ça veut dire que tu ne t'es pas regardé. Hein? Quand tu cherches là, il faut te regarder pour te demander, lui qui vient s'arrêter devant moi, est-ce qu'en temps normal, il doit venir s'arrêter devant moi? Ou bien cette femme là, est-ce que c'est le. C'est cette catégorie de femmes là? Non, on dit non. On ne doit pas trier tout et tout. Excusez-moi, je vais prendre mon petit café. Non, on ne doit pas trier. Parce que c'est en triant. Il faut que tu tries. Parce que quand tu n'as pas trié là, et puis tu es rentré dedans et ça, c'est là que tu vas te rendre compte. C'est là que Django sera souffert. Parce que tu n'avais pas trié. Tu as regardé, oh, moi je n'ai pas cherché. C'est en triant là. Nous tous, on a trié. On a trié. Moi, comme ça là, les garçons qui s'expriment, ça dit que d'une manière. Je ne sais pas comment dire. Chérie, doucement, il y a le bruit de ton père. Pas gâter ma vidéo. Je ne suis pas trop inspirée pour dire et reprendre. Tu comprends, non? Donc, les garçons, par exemple, qui s'expriment avec un langage ordurier, les garçons qui aiment prononcer les babiers dans leur bouche ou bien les bâtards, les quoi, quoi, quoi. Moi, garçon, quand ça n'arrêtait pas devant moi. Vraiment, hein, je vous dis, oui, il y a des garçons, souvent, qui n'ont pas de. Ça dit que, qui ont un problème d'éducation, mais ils vont venir s'arrêter devant certaines femmes. Soyez des femmes où, quand l'homme vient devant toi, lui-même, il sait que. C'est pas, ça dit en temps normal, vous pouvez vous asseoir ensemble. Soyez des femmes aussi, soyez des hommes aussi. Les femmes que vous partez draguer là, il faut que ces femmes-là soient de vos catégories selon vos valeurs. Mais non, on ne regarde pas les valeurs. On va regarder le superficiel. On va regarder le sensationnel. Et puis demain, on dit que non, les femmes, elles trient aujourd'hui. Trier. Quand vous triez là, vous allez finir par voir ce qui vous convient. Et ce qui vous convient là, ça doit se rejoindre dans vos valeurs. Mais non, ce n'est pas ça. On dit aux femmes, non, arrêtez de trier. Attends. Donc, si on ne trie pas, là, on prend n'importe qui. On prend n'importe qui, on se met en couple. Hein, que, et puis maintenant, demain, tu vois que ce couple-là, quand on vous regarde, on voit que vous êtes un couple disproportionné. On vous regarde, on sent que ce n'est pas ça. Ou bien toi, la femme, même, tu es dans ce foyer-là, tu sais que tu as fait un mauvais choix. Oh que oui. Il y a des choix, toi-même, tu fais là. Tu te rends compte que ça ne valait pas la peine. Donc, on va partir sur des valeurs. Partons sur des valeurs. C'est valable pour l'homme et la femme. On va pas partir sur des critères. Moi, je suis pas pour les critères. Parce que les critères, là, c'est fallacieux. Ça dit, c'est pas quelque chose de solide. Tu vas prendre aujourd'hui un homme parce qu'il est comme ça, parce qu'il a un style. Arrêtez à faire des styles, là. Prenez quelque chose, vous voyez, mais moi, on dit c'est gaou, là. Et puis, toi-même, tu prends, tu sais que cet homme-là, il va te respecter. Ou bien, cette femme-là, elle va te respecter. Maintenant, si on part pas sur ça, on dit aux femmes, non, faut pas, vous avez dit que non, tel genre ne ressemble pas. Il y a des couples, tu les vois, tu sais qu'ils ne te ressemblent pas. Ça existe. Il y a des couples comme ça, en cas, c'est dit ça. Voilà. Nous, on avait, je me rappelle une amie comme ça, qui était en contact avec un gars, elle parlait du gars, qui parlait. Il a dit que le jour que
On est parti, qu'elle nous a planté le gars. Quand on est sorti, le roi a dit, vous les femmes m'aimez vraiment. Tu regardes ta copine là-haut. Et vous, on est là, on fait hypocrisie. Ma copine, en tout cas, ton gars est bien. Mais tu regardes ta copine là, hein, ce monsieur-là. Ils vont arriver où? Ils sont pas arrivés quelque part. Ils sont pas arrivés quelque part. On est resté dans l'hypocrisie là. Ah, ma copine, tu as eu ton gars. En tout cas, il est chic. Hein, un garçon qui aime parler français, vous vous êtes là. Il y a des hommes comme ça. Il n'y en a pas du français rouge bordeaux. Hein, rouge bordeaux là. Ça veut dire qu'il parle posément. Les mots sont bien soutenus. Mais vous vous êtes là. Les gros mots. Hein, il dit qu'il avait fait, il avait fait la Suisse. Avec son style de Suisse, il est venu là. Ma copine est tombée en amour, elle, lui. L'amour n'est pas arrivé quelque part. Parce qu'on était parti sur des critères et non sur des valeurs. Vous comprenez? Il y a certains hommes là. Et quand ils font parler les femmes là, les langages ordinaires, il y a des hommes même là. Et ils insultent jusqu'à une femme à laquelle ils ont couché là. Ils insultent jusqu'à en bas de ces femmes là. Eux aussi là. On a dit que non, il ne faut pas trier. Trier. Trier jusqu'à le jour où vous allez tomber sur quelqu'un qui est bien pour vous. J'ai dit que quand c'est bon pour toi, maman, tu ne fais pas d'effort. Garçon qui est bon pour toi, le garçon que tu as croisé, tu as roulé ta bosse, hein, le que tu tombes sur le bon là. Maman, c'est là que tu ne fais pas d'effort. Quand c'est pour toi, tu ne fais pas d'effort. Hein, il y a des quelque part où on vous a dit non, il faut lutter, il faut lutter. Hein. Si on vous a dit de lutter là-bas, moi je ne sais pas où, mais quand c'est pour toi, garçon même qui est fin, qui dit qu'il t'aime, il va trouver du temps pour toi. Hein, il va trouver du temps pour toi. Il est en réunion, tu l'appelles comme ça au téléphone. S'il sait que c'est sa chérie, il va dire chérie, je te rappelle. Un garçon qui n'est pas fin. Il ne va pas te retourner l'appel. Vous parlez de quoi? Que quoi? Arrêtez un peu. Les femmes, triez. Les hommes, triez. Triez. Quand tu es dans le bon, là, toi-même, tu sais que tu es dans le bon. Mais quand tu n'es pas dans le bon, là, tu es dans le questionnement. Tu es là et puis tu te poses des questions seulement. C'est ça qui est la vérité. Donc, on vous a dit que non. Il ne faut pas dire que non, telle personne n'est pas de son genre. Quand ce n'est pas de ton genre, là. Quand on voit, on connaît. Quand c'est pour ton genre aussi, là. On voit aussi, là. La réalité est là. Si ce prenez soin de vous, joyeux temps des fêtes. On continue.